Vous avez une idée du poids à 3 tonnes près, hein? 300 kilos. 300 kilos. Ouais. Et les dimensions? Alors 1 mètre 50 de long. De long. Et 2 mètres de haut. Et 1 mètre 50 de large. Merci. Le métal? Alors c'est de l'or en barre. Hein? Non, c'est du fer bien rouillé. Et la patine est rouillée. La patine, oui. La rouille est provoquée. Oui. Donc on provoque la rouille avec un jarre d'acide. Hein. Oui. Ensuite, on met une base pour la stabiliser. Oui. Et un vernis. Et ensuite, il y a pas plus de vernis spécial. Trois vernis. Voilà. Donc, de rouille, c'est pas. Oh, oui. Ça garde cette couleur quand même. Ouais. Ça garde cette couleur, sachant que le fer a l'air libre, la rouille ne s'accentue pas. Elle se stabilise tout seul d'ailleurs. Mmh. D'ailleurs on le voit là, ici, comme vous voyez. Oui, mais ça ne bougera pas pendant une centaine d'années. Ouais. On peut parler de la vie, et donc là-bas, ils atterrissent à Chine. Ah d'accord, ils visent la Chine. La fusée sera tournée vers la Chine. Peut-être qu'ils auront l'idée de refaire la même en Chine, tournée vers voilà. La France. Et entre les deux, il faudra qu'il y ait une clé comme la clé du viaduc. Entre les deux, ça se rejoint. Ouais, il y a la clé du viaduc du Jour. Ça va, ça. Oui, juste là. Et c'est quand même une structure qui est brute. Comme les blagues comme toi. Écoute, André, moi ça me plaît. Ça me plaît. On est en train de parler, quand je te dis. Ils sont pas tout parfaits. Clé à Tanus, mais oui, plus grande. Je l'ai vu. Pour le boulot.
poser. Casimir, vous pouvez enlever la canne, enfin quand il faut, que ce sera la dernière manœuvre symbolique. Des choses.